Cette exposition, donc, est la première dédiée aux arts des îles Salomon, montrant la diversité culturelle à la fois de cet archipel du Pacifique. L'exposition présente environ 200 œuvres, photographies comprises, qui proviennent à la fois des collections du musée du Quai Branly. Nous avons eu la chance de présenter aussi des collections britanniques, suisses et des collections des musées français et collections particulières. Ces objets dont les effets visuels de contraste, d'éclat, de brillance, de saturation servent à matérialiser pour les vivants les relations qu'ils entretiennent entre eux, mais surtout les relations qu'ils entretiennent avec les esprits des morts. Le fil conducteur était de montrer comment les objets matérialisent ces différentes formes de relations en se focalisant sur un certain nombre de matériaux, la nacre, l'éclat de plumes rouges pour certaines monnaies ou parures, le tridacne, qui est ce bénitier qu'on va retrouver employé dans différents objets tout au long de l'exposition. Le titre lui-même de l'exposition, L'éclat des ombres, vient en fait jouer sur l'éclat, on est dans cette brillance, on est dans cet effet visuel. Et les ombres sont en fait le nom qu'on peut donner à ces autres êtres non humains qui continuent de perdurer au sein des vivants et qu'on appelle l'ombre.